tous, bienvenue sur TV07. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus, comme chaque semaine. C'est votre émission culinaire, votre émission gastronomie, c'est Toc 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 qui est là. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un chef qui nous vient d'un joli pays, c'est le pays de Vallon-Pont-d'Arc. Lorsque on arrive à ce restaurant, c'est un restaurant qui se trouve en plein milieu des gorges de l'Ardèche, ça s'appelle le restaurant de Cham. C'est une jolie table. J'ai eu l'immense plaisir d'aller manger il y a quelques jours. En tout cas, vous y êtes accueillis par Jo, le patron. Et en cuisine, un chef magnifique qui s'appelle Manu Eusebi. Et nous avons l'immense plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Manu. Bonjour. Bah, écoute, merci d'abord d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci de l'invitation. D'être face à nos caméras et puis surtout face à nos téléspectateurs qui vont sans doute se réjouir de la recette un peu que tu vas nous faire aujourd'hui. Alors, je l'espère. Voilà. Qu'as-tu décidé de nous cuisiner aujourd'hui? Eh bien, on va travailler le pigeon. Le pigeon, voilà, on a déjà eu avec une précédente émission. C'est ça, on va le faire différemment. On va faire un joli voyage entre la cerise, le fenouil, pomme de terre, le foin. Voilà. Un petit voyage sympa. Hein. Bon, donc en tout cas, on va passer un excellent moment. Bah, j'espère. Dis-nous un petit peu ce restaurant de Cham. Tu y es depuis très peu de temps. Oui. Ça fait 2 mois et demi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu justement dans le projet de Jo, qui est ton patron, qui est un passionné, passionnant? C'est un passionné, passionnant. Voilà, c'est ça. C'est ce qui t'a donné d'ailleurs peut-être l'envie d'aller venir travailler chez lui. Ouais. Raconte-nous un petit peu l'esprit un peu de ce restaurant. Bon, on a déjà parlé de la situation au bord de l'Ardèche, dans un cadre assez exceptionnel. Privilégié même. Voilà. Ouais. Que fais-tu à manger au quotidien? Déjà, j'ai la chance d'avoir un patron qui me laisse assez libre et qui n'hésite pas à mettre la main à la poche pour trouver des bons produits. Donc ça, c'est flatteur et puis c'est encourageant. Donc, libre cours à l'imagination, ça dépend les jours. Si j'avais travaillé, je travaille beaucoup de poisson, donc le poisson, pas mal les produits, un petit peu de viande aussi. Produits locaux aussi. Produits locaux, pas mal, Donc une filière courte, comme d'ailleurs principalement tous les restaurateurs qui viennent depuis... le début de cette aventure culinaire. Toi, personnellement, tu préfères travailler la viande, le poisson, la volaille? Qu'est-ce qui te sensibilise le plus, toi, dans ta cuisine? Moi, j'ai un coup de cœur pour le poisson. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas proche de la mer, mais on arrive à en trouver. C'est vrai que la volaille aussi, le cochon, que j'aime beaucoup travailler, le veau, même le gibier, j'aime tout travailler. D'accord, à y réfléchir, Voilà. Je prends tout. Restaurant, vous avez également un pâtissier? Un très très bon pâtissier d'ailleurs. Un jeune pâtissier qui sort du compagnonnage. C'est ça. Voilà, qui est pareil. Alex, Alex. D'ailleurs, big up Alex. Voilà, d'accord. Le message est passé. Enfin, voilà, comme ça c'est fait. Donc, comme tu disais, la bête. La bête. Alors présente-nous cette... Alors c'est un pigeon qui vient de chez Monsieur Durand. Un éleveur qui est entre la Drôme et l'Ardèche. Ouais. Il fait du très très bon produit. Je suis assez content des pigeons qu'il me ramène. Voilà. Pour les besoins de l'émission, je vais déjà vider celui-là. D'accord. Le précédent jeune homme avant moi, il avait cuit le pigeon sur le coffre. Oui. Nous, on va le détailler, c'est-à-dire on va enlever les pattes, puis les filets aussi. D'accord. Voilà, comme ça on aura déclinaison de pigeon. Déclinaison de pigeon. Voilà, ça peut être sympa. On va le travailler avec la cerise. Donc, les cerises. Cerises du jardin. Du jardin, magnifique. Elles sont très très belles d'ailleurs. Oui, elles sont pas mal. Très bien. Ensuite, tu vas accompagner ça avec quoi? Là, tu nous as fait déjà une petite préparation. Alors ça, c'est un confit de cerise qui est lié avec un jus de pigeon que j'ai fait en avance parce que ça prend beaucoup de temps. Ah, d'accord. Bon, ça, on verra ça tout à l'heure. Oui. Des pommes de terre. La pomme de terre, évidemment. Avec? Qu'est-ce qu'on trouve dessous? Ouais. Du foin. Du foin. Voilà. La cuisine au foin. Tiens, nous n'avons pas encore fait ici de cuisine. Ouais. Avec le foin. Alors voilà, le foin, c'est du fin gras de mézingue. Ah. Voilà. C'était justement la fête. Il y a quelques jours de cela, qui vient du haut plateau ardéchois, vers Mézillac. Très bien. Voilà, donc une belle petite appellation. On a la chance de pouvoir travailler ce produit. Voilà. Très bien. Bon, ensuite. Le fenouil. Sous forme de chips. Sous forme de chips. Là, c'est également préparé un petit peu. Ah, mais là, il y a 12 heures de séchage. Là. Voilà. Donc là, en effet, c'est un peu long pour l'émission. On l'accordera. Voilà. Ensuite, je vois un sel ici assez magnifique. Ouais. On en parlait un petit peu tout à l'heure en off, en préambule de cette émission. Donc justement, ça, c'est mon patron, passionné. Il m'a rapporté ça un jour. C'est du sel pyramidal de Chypre. Et en effet, il est vraiment pyramidal. Ouais. Et en plus, il est juste exceptionnel, quoi. Ouais. C'est vrai. Il est vraiment énorme. Donc ça se mettra à la fin du plat. Ouais. Très bien. Ensuite, parlons un peu de légumes. On a ici une autre pomme de terre. Voilà. C'est quoi comme pomme de terre? On a l'impression que c'est une vitelotte, mais c'est... Une bleue de violine. Une bleue violine. Très, 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 très joli produit. Très joli produit. Petite courgette. Petite courgette, évidemment. Jaune et verte, là, c'est pareil. Hein, ouais. Des jolies,
Je salue les producteurs d'ailleurs, Hélène et Alexis. Qui sont d'ailleurs de Vallon-Pont-d'Arc. Écoutez, ils sont à 20 mètres du restaurant. Bon voilà, donc le matin, on se lève, hop, on va chercher les légumes, zéro taxe carbone. C'est pas beau? Ils sont magnifiques, ils font des beaux produits, beaucoup de tomates. D'accord. Donc là, bientôt, on va attaquer la tomate et on a la chance d'avoir un petit open terre, rien que pour le restaurant. Bon, donc on verra au fur et à mesure de l'émission. Là, je vois du gingembre. Du gingembre, ouais, parce que j'ai passé 2 ans en Asie. Donc mon petit côté asiatique qui ressort. Qui ressort, hein. Voilà, donc, c'est okay, ça. Très bien. Bon, là, on retrouve après le fenouil. Ouais, voilà, le fenouil, voilà. Qu'on a évidemment, qui est déjà transformé. Et ici, on a évidemment les petites courgettes avec la fleur. La fleur. Tu la travailles, la fleur, au restaurant? Je vais commencer à la travailler sérieusement. Voilà. Ouais, okay. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est très fragile. Évidemment. Un produit délicat, voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver, ce qui est déjà derrière, voilà. Là, sur l'assiette, en finalité. C'est ça. Il y aura une petite touche de basilic sous forme de caviar. D'accord. Voilà. Très bien. Il est au frigo. Je voudrais revenir sur les pommes de terre. Tu vas en faire quoi? La transformation va nous donner quoi? Une pomme écrasée, une pomme purée? C'est une purée. Une purée donc, voilà, au foin. Un petit goût de foin. Voilà. Très bien. On a oublié la polenta au foie gras aussi. Tu la prépares avec quoi? Donc du foie gras. Crème, oui. Lait, foie gras. D'accord, très bien. Bon, ok. Bon, eh bien écoute, on va pouvoir démarrer l'émission. Allez. Tu vas t'occuper donc du pigeon. Ça marche. Et je te laisse, et je te regarde faire. Ok, allez. Pas de problème. Allez. Donc on va commencer par couper le cou. Oui. Voilà. Alors c'est le quart d'heure un peu barbare. Voilà. N'est-ce pas? Donc moi le cou je le garde pour faire mes jus de pigeon. La tête pour faire des porte-clés. Porte-clés, c'est pas mal. Voilà. À Vallon-Pont-d'Arc, rien ne se perd. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On y va. Donc les pâtes. Les papates. Donc on est quand même sur un produit extrêmement délicat. Oui, très délicat. Mais on en parlait dans la précédente émission où justement le pigeon était cuisiné. Oui. Il est tué depuis combien de temps? Alors, Une petite semaine. Voilà. C'est un pigeon qui a été abattu à l'âge de 3 semaines. D'accord. Juste avant qu'il puisse voler comme tous les pigeons. Il a été abattu, nous on l'a reçu 5 jours après l'abattage. D'accord. À moi après de le laisser au frigo, la tête en bas, forcément pour que les filets soient bien tendus. D'accord, très voilà. Bien. Ok. Donc pour qu'il mature un peu, qu'il se détende. Exactement. Voilà, très bien. On est sur un grammage de combien là sur le pigeon? Là il est à peu près à 450-500 grammes. D'accord, donc c'est déjà des jolis, ouais, ça va. Des jolis oiseaux. Ouais. Voilà, en plus donc après tu lèves. Ouais. Donc là tu vas. Ça, je coupe aussi. Les ailerons. Ça aussi, ça sert à faire le jus. Ouais, donc rien ne se perd, même la tête. Hein, donc la tête, tu la jettes. Non, la tête, je la garde pas. Uniquement les os. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Là, on vient chercher. Hop. Belle matière à manger. Ah oui, en effet. Oui. Voilà. Ça et après. Bien. Donc les filets. Les filets, tout simplement. Donc là, c'est simple, on suit l'os. Voilà. La recette que tu vas nous préparer, oui. C'est pour combien de personnes les filets? Un pigeon pour une personne ou deux personnes? Comment toi tu le prépares? Alors, un pigeon, oui. Comme ça, c'est deux personnes. Deux personnes. Voilà. Pour ma part, il me faut 2 pigeons. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Parce que j'aime ça. D'accord. Alors, tu nous disais que ça faisait 2 mois que tu travaillais dans ce restaurant. C'est ça. Tu es ardéchois de naissance? Non, je suis gardois de naissance. Gardois? Ouais. C'est bien. Voilà. Ouais, ouais, oui, hein? C'est bien. Les ardéchois n'aiment pas trop les gardois, c'est ça, le très bien en même j'ai temps. J'ai appris un dicton il n'y a pas longtemps. Ah, vaut mieux avoir une taupe dans son jardin qu'un gardois comme voisin. C'est ça, voilà, absolument. Voilà, c'est Voilà, donc... tu vois un peu, tu as bien repris, bien appris la leçon. Donc, okay, alors tu viens de quel coin du Gard? Bah, de Nîmes. Je de suis, Nîmes. Je suis voilà, de Nîmes ou quoi. Ville que j'ai quittée il y a quelques temps pour voyager un petit peu. Alors tu expliquais aussi, justement ouais. Que tu avais voyagé alors, j'ai deux fait années la... en Asie. Alors j'ai fait 2 ans au Cambodge, ouais. C'est ça, là je suis revenu en janvier, voilà, parce que j'avais envie de découvrir les saveurs, surtout changer d'air. D'accord. Changer d'air. J'ai beaucoup appris, pas forcément sur les techniques culinaires, mais sur le système D. D'accord. Ils sont juste impressionnants comment ils arrivent à faire des choses incroyables avec peu de un pot de fleurs et du charbon et ouais. C'est parti. D'accord. Wow, ils sont juste énormes. Bon, c'est ouais. Bien. Belles expériences de vie en tout très, cas. Très, très belles. Voilà. Voilà, donc,
Là, les filets sont levés. Voilà, les filets, les pattes. Les pattes, les ailes. Les ailes, tout ça, c'est levé. Alors, ceci et ceci, on va le faire confire, oui, dans un beurre aromatisé à la figue. La figue. À la figue. Alors, nous n'avons pas encore de figue actuellement. Non, mais je prends les feuilles de figuier. Alors, les feuilles, comment à une certaine maturité, les jeunes feuilles, les jeunes. Entre les deux. D'accord. On va dire les ados, les adolescentes, quoi. D'accord. Voilà. Donc, je vais dans le jardin, je prends mes feuilles. Donc, deux solutions. Moi, je les fais sous vide à basse température, ce qui permet pas en prendre trop. C'est-à-dire, je fais mon beurre clarifié, je mets mes feuilles dedans, je mets ça sous vide et je cuis au four vapeur gentiment pendant 1h30, 2h. Ton beurre ? Mon beurre, avec les feuilles dedans. D'accord. Voilà. Après, il y a une autre technique, c'est… Si on n'a pas de machine pour mettre sous vide. C'est très simple, il faut plus de quantité par contre de feuilles. Et là, on le balance dans le beurre clarifié. Voilà, moi, je prends pas beaucoup de feuilles parce que j'ai pas envie de déplumer l'arbre. D'accord. Très bien. Il en faudrait tous les jours. Alors. Donc, ça va vraiment donner un parfum particulier, mais est-ce que ça donne vraiment le parfum de la figue ou ça donne tout à fait une autre, je dirais, un autre goût, une autre saveur plus subtile, je sais pas, hein, je ne connais non, pas du non, tout. Non, ça donne le goût de la figue. Ça donne le goût de la figue. D'accord. Qui est vraiment très agréable. D'accord, très bien. Alors, tu avais préparé ce beurre clarifié. Avec aromatisé à la figue. Aromatisé à la figue. Ouais. Que vas-tu en faire, ça ? Alors, avec ça, je vais confire les ailes et les pattes dedans. Donc, tu vas juste les mettre ? Je vais juste les mettre sur le coin du fourneau, gentiment. Quelle température, à peu près ? Quelque chose de chaud, pas très chaud ? Non, vraiment, faut pas que ça dépasse les 60-65 degrés. Ah ouais, donc en effet, une cuisson extrêmement douce. Ouais, extrêmement douce. Combien de temps ? Une bonne heure et demie. Après, okay. Ça dépend de la bête. Il faut regarder. D'accord. Voilà. Bon, et ben donc très bien. Donc on va pouvoir aller allez. À la cuisson avec ça. Et puis on va se remettre derrière. Ça voilà. Hein. Allez, on y va maintenant pour la deuxième opération. Donc la purée au foin. Oui. Voilà. Donc très très bien ça. On va faire infuser notre foin dans le lait et le beurre. On va tout mettre ensemble. Ça nous fera gagner du temps. Et puis. D'accord. Et puis c'est très bien aussi comme ça. Alors ce lait, c'est un lait entier, demi-écrémé, crémé. Quelque chose de gourmand, faut du lait entier de préférence. Le gourmand, vous inquiétez pas, il va y être. Avec d'accord. Le foie gras qui arrive derrière. Alors c'est un lait demi-écrémé. Oui. Juste voilà, on a le beurre quand même. Très on bien. Va apporter aussi un peu de gourmand pour la purée, pour qu'elle soit bien lisse. Évidemment. Et voilà, donc on peut commencer à faire infuser le lait, le beurre et le foin. D'accord. Voilà. Donc voilà, le lait. Ça y est. Montre le lait, s'il te plaît. Ah, c'est le lait d'Ardèche. C'est vrai. Donc là, c'est important aussi de le signaler. Mais tout à fait. Signaler, ouais, je suis tout à fait. Donc le lait. Ensuite le foin. Allez, on y va, on n'a pas peur. On met du foin. Du plateau ardéchois. Du fin gras du Mézin, exactement. Alors il faut faire attention parce qu'il est quand même assez. Assez fort. Assez fort, voilà. Mais il ne faut pas avoir peur non plus. D'accord. Le juste milieu se trouve dans la gourmandise. Voilà. Et ça, tu vas le faire voilà, juste un petit peu infusé. Pendant combien de temps ? Je dirais gentiment un petit quart d'heure. Très bien. Un petit donc quart d'heure. Tu le fais chauffer ? Je le fais chauffer et je peux mettre le beurre dedans aussi avec. D'accord, de voilà. Suite. Comme le beurre, c'est une éponge à saveur, ça va encore plus renforcer le. Très bien. Le petit goût du foin. Le beurre qui est là. Le beurre qui est là. De toi. Allez. À température, c'est très bien. Là, cette quantité, tu as mis à peu près un demi-litre. Ouais, un demi-litre pour avoir 6-7 pommes de terre. D'accord. Et donc, en beurre, tu mets quelle quantité ? Là, on est sur une plaquette de 250 grammes. Alors là, pour le beurre, je vais être très gourmand. Je vais taper la moitié. Donc 125 grammes. Ouais. Un demi-litre de lait, du foin. Du foin. Et pour 6-7 pommes de terre de taille moyenne. Hein. On n'est pas sur des pommes de terre très très grosses. D'accord. Voilà. Très bien. Et alors, est-ce que tu sales, tu poivres de suite ou non ? Après. 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 Je sale là. Donc, alors, on va laisser la cuisson, l'infusion se faire tranquillement. Tranquillement, c'est très bien. Pendant ce temps. Pendant ce temps, on va éplucher les pommes de terre puisqu'il faut les cuire. Eh oui. Donc, voilà. Ok. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est en train d'infuser tranquillement. Voilà. Les pommes de terre, donc À éplucher. On y va, c'est allez, parti. Je vais te donner un coup de main, vois-tu. C'est parfait, allez. Merci. Allez. Allez, chacun sa gamelle. Voilà. Est-ce que, justement, dans ton histoire de cuisinier, tu as toujours été cuisinier ? Ouais.
Ouais, donc, ouais. Tu as commencé il y a quelques années de cela. C'est ça. Est-ce qu'il y a des chefs qui t'ont marqué, qui t'ont donné envie de se faire ce métier? Comment ça s'est passé dans ton histoire? Alors, mon parcours, j'étais à l'école hôtelière à Nîmes, au CFA, tranquillement. Oh. J'ai fait mon apprentissage dans plusieurs restaurants. Oui. Des bons restaurants, des traditionnels aussi, des gastro. Au bout d'un moment, c'est vrai que j'en ai eu un peu marre. J'avais un peu baissé les bras, j'avais plus la passion jusqu'au jour où j'ai rencontré un chef qui s'appelle Franck Gauthier. D'ailleurs, Franck, si tu vois cette émission, je t'embrasse bien fort. Qui lui m'a vraiment redonné le goût. Peps, un homme d'une gentillesse et d'un talent énorme. Et à partir de là, ça fait maintenant quelques années et ça m'a pas lâché. Ça m'a pas lâché, j'aime mon métier. Pour rien au monde, je changerai. Là, tu parlais de Franck Gauthier, quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour toi dans ton histoire, mais ouais. Des chefs connus, des grands chefs, des grands noms qui t'ont marqué, quel chef te marque aujourd'hui dans son type de cuisine? J'aime beaucoup la cuisine Alain Ducasse parce qu'elle est simple. Oui. Il n'y a pas de fioritures, elle est simple, elle est juste. Mm-hmm. Point. Voilà, il n'y a pas trop de chichi. C'est ce que j'aime, la justesse, l'équilibre, beaucoup beaucoup de légumes. C'est un chef qui prend conscience aussi, je pense plus que les autres, de la fragilité de la planète. Mm-hmm. Voilà, donc lui il met vraiment en avant, il a joué le jeu avec son plat de Athénée, vraiment mm-hmm. Travailler les céréales. Donc il y va jusqu'au bout. On est sur aujourd'hui une cuisine beaucoup plus moderne selon toi, qui revient à des valeurs simples. Je pense qu'on est allé assez loin dans la modernité, oui. Loin et rapidement. Donc le tour a été fait et justement je pense qu'on revient plus dans les produits simples, dans le simple, dans pas trop travail non plus sur les produits, le goût, l'authenticité du goût. Alors d'accord. Oui, il y a la technique, mais il y a aussi le produit qui parle, il ne faut pas trop le toucher. D'accord, très bien. Bon, très bien. Bon voilà, revenons à nos pommes de terre qui sont épluchées. Les laver et puis on va les laver, on va les rincer un peu. Voilà. Et donc après ça va partir en cuisson. Donc on va les couper assez fin pour que ça cuise assez vite. Ah ben avec le lait, le foin et le beurre. Je le cuis à part plutôt. Tu le cuis par à l'eau. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas vapeur, tu les mets dans l'eau. À l'eau, c'est très bien. On démarre à l'eau froide ou à l'eau chaude? À l'eau froide, c'est pas mal. Toujours à l'eau froide. D'accord, très bien. Eh ben allez, on y va pour ça. On y va, c'est parti. Voilà, les pommes de terre sont coupées. Les pommes de terre sont coupées, elles sont parties en cuisson. Voilà, donc... Voilà. Juste nature, étant donné que le foin va quand même les assaisonner, les rendre gourmandes. Très bien, parfait. Voilà. Bon, maintenant, on peut attaquer la polenta. Voilà, alors la polenta. La polenta, c'est une recette, on va la rendre assez compacte. Oui. Voilà, on va la laisser prendre au frigo, et puis à l'envoi, on la remettra au four pour qu'elle devienne plus moelleuse. Très bien. Donc, la recette, c'est très simple. Hein. Polenta au foie gras, oui. J'ai mis 500 ml de crème, 500 ml de lait. J'ai balancé mon foie gras dedans, je l'ai fait infuser gentiment, du sel, du poivre. Et on va cuire la polenta dedans. Une fois que ça arrive à ébullition, on verse la polenta, on touille. Le foie gras, tu l'as mis sous quelle forme? Foie gras frais? Foie gras... Ah oui, il était frais, oui. Cru, oui, oui, oui. D'accord. Bien sûr. Pas cuit. Non. D'accord. Au contraire, justement, ça va diffuser le goût. Son gras, le gras du foie gras va... Donc là, la préparation est déjà faite. La préparation est déjà faite, oui. Combien de foie gras en quantité? Là, j'ai mis à peu près 50 grammes de foie gras. 50 grammes de foie gras pour 500 ml. Ouais, pour un litre au total de lait crème. Un litre de liquide, d'accord. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Bon, écoute, on te regarde, allez. On te regarde faire. Parfait. Donc, j'enlève ça. Alors voilà. Ça, on m'a dit que ça boostait bien. Voilà. On y va, c'est parfait. Donc, on va attendre l'ébullition. Une fois ébullition, on versera la polenta. Donc là, pour combien de semoule? Là, il y en a évidemment. Là, il y a à peu près 250 grammes à 300 grammes de semoule. Très bien. Voilà. D'accord. Voilà, le lait est chaud, la crème, allez, le mélange. Ça porte à ébullition. Voilà. On verse la polenta tout d'un coup dedans. Hop là. Donc là, on va chercher vraiment à la chauffer tout doucement, à la cuire tout doucement. Voilà. Tout doucement, je dirais pas tout doucement. Ça va être très rapide quand même. On va la rendre assez compacte.
on va la garder au frais un petit peu. Et après, par contre, on la redétaillera, on la mettra au four. Elle va retrouver tout son moelleux. D'accord. Donc voilà. Ça prend un peu de temps à préparer, le temps de la laisser refroidir en chambre froide. Un petit peu, ouais. Et la retravailler après. Et après, on la retravaille. D'accord. En tout cas, ça sent déjà très très bon. Je vais peut-être prendre un effet. Ça sera plus facile. Voilà. Voilà. On arrive à une belle consistance. Oui. On sent bien le foie gras. Ouais, ça sent bon. Hein. Ouais. Vous sentez? Vous sentez là-bas? Ça donne faim. Hein. Oh, très bien. Allez, maintenant on va la débarrasser. Hop. Voilà, les pommes de terre sont cuites. Voilà, les pommes de terre. Alors, du coup, on va les égoutter. Oui. Allez. C'est comme parti. Une traditionnelle purée qu'on pourrait faire chez soi. Exactement. Donc, rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. La purée, tellement traditionnelle que j'ai pris le moulin à légumes. Le moulin de la grand-mère. Le moulin de la grand-mère. Voilà. J'y tiens. Allez, c'est parti. Alors, je prends. Hop. Ah bien. Je te donne. Merci. Allez. Et c'est parti. Voilà, donc on écrase. Il y a une variété de pommes de terre que tu travailles particulièrement pour faire cette purée. Là, on est sur quoi comme variété? Là, ça c'est de la binge, tout simple, classique. C'est vraiment une pomme de terre qui... qui se tient bien. Qui se tient bien avec une purée, c'est... Ouais. Après, il m'arrive de faire des pommes de terre, par exemple, avec la bleue. D'accord. Aussi, de violine. Donc voilà, là c'est, ta pomme de terre est écrasée. Voilà, là la pomme de terre est écrasée. Il en reste juste un petit peu, on gaspille rien. Hop. Voilà. Très bien. Hop. Voilà. Donc on a l'infusion qui est juste à côté. L'infusion est juste à côté, on va aussi la filtrer. D'accord. Et puis on va mélanger. D'accord, très bien. Allez. Donc voilà, là le lait. Voilà, alors on y va petit à petit. On touille, on regarde, on jauge. D'accord. Donc là jusqu'à présent, il y a juste le sel dans les pommes de terre. La purée n'est pas encore assaisonnée. Voilà. Là, elle commence à être bien crémeuse. Enfin, c'est la recherche, c'est vraiment la pomme de terre crémeuse. Ouais. Comme le pigeon est un gibier qui a un goût assez prononcé, je voulais justement apporter un peu de smooth sur un gibier. Travailler une texture sur un goût, ça peut être... De caractère quand même, ouais. Donc là, c'est pareil, là, on a le confit, les cuisses et les ailes. Sont confites. Voilà, hein, ça commence à bien confire là. Dans ce beurre de figue qui est exceptionnel, hein, je vais goûter comme ça, vraiment très très bon. Là, je vais goûter. On a ce petit coup de fouet, pas négligeable. Et là, je vais assaisonner la purée. Donc, d'accord. Du sel, du poivre. Du sel et du poivre. Hop. Merci. Donc là, du poivre du moulin, ce qu'il y a de plus classique. Voilà, de la mignonnette, c'est très bien. Voilà. Là, on est pas mal. Allez, donc on est sur une cuisson extrêmement rapide, en fait. Extrêmement rapide, voilà. Je peux mettre mes petits légumes déjà dedans. Ils sont déjà blanchis, je peux les réchauffer. Alors, tes courgettes. Les courgettes. Jaune et vert. Jaune et vert, voilà. Juste pour donc juste blanchi, hein, donc porté à ébullition, 2 minutes, tu refroidis. Voilà, je refroidis, comme ça je le garde croquante. Voilà, ta violine. La violine aussi, on est parti. Voilà. Voilà. Très bien. Allez, on te laisse, on y va, rock'n'roll. Allez, rock'n'roll. T'aimes bien en fait le rock'n'roll, toi? Ouais. C'est bien. Ouais, j'adore. Allez, ça. En avant. Allez, c'est parti. Hop, on est content. En même temps, ça donne plein d'idées à nos amis qui nous regardent. Voilà. Sur cette idée. Voilà, au pinceau. Au pinceau, pourquoi pas. C'est vrai que
Donc là, tu es sur un jus de cerise. Là, je suis sur un jus de cerise. Donc ça va donner le peps un peu de côté acide à ton plat. Ça, alors c'est un jus de cerise qui est lié quand même avec un petit peu de jus de pigeon. Donc il y a la cerise et le pigeon qui sont mariés là-dedans. D'accord. Et moi, je trouve ça juste énorme. D'accord. Très bien. Voilà. Allez, en prêt. La purée est prête. On va commencer à faire des petites quenelles de purée. D'accord. Hop, elle est juste là. Voilà, assaisonnée, elle est toujours, toujours chaude. On est parti. Voilà, les quenelles. Les petites quenelles. Donc avec une petite cuillère. Ouais. On est à côté mignon. Ouais, exactement. Voilà. Allez, on y va. Une petite quenelle. On va même en mettre deux. Allez, soyons fous. Soyons fous. Hein? Ici. Allez, une ici. Ok. Ça, c'est terminé. Très bien. On va prendre les filets que nous allons couper en deux. D'accord. Ah, tu les coupes. Comme ça, on va voir la belle cuisson, oui. Oui, 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 oui. Donc, la cuisson recherchée était une cuisson bleue. Bleu, voilà. C'est ce que j'aime. On va couper les courgettes aussi un petit peu en biseau. En biseau. Histoire d'apporter un petit peu de volume. Et des formes. Donc là, ça va donner un côté un peu croquant, craquant, ouais, à ton plat. Hein, puisqu'on est quand même sur des... Sur des textures assez souples. Assez souples, voilà. Sans oublier la chips de fenouil qui, elle, va vraiment... un côté vraiment... Très bien. Hop. Allez, on va mettre le second. Et on joue. Après, on joue avec les couleurs, on joue avec les formes. On se fait plaisir. Ouais, c'est une création quasiment live que tu fais. Ouais. Il n'y a rien de réfléchi. Il n'y a rien de réfléchi, c'est instinctif. D'accord. Vous venez demain au restaurant, je l'adresserai peut-être différemment. Les goûts sont les mêmes. Très bien. Et voilà. Hop. Ici. Alors, la deuxième type de cuisson. Le confit. Donc, le confit, une pâte, une cuisse par personne. Oui. Donc là, on sent la figue, là. C'est extraordinaire. Allez, je la pose. Voilà. Ici. Donc là, tu lui donnes vraiment du volume. Là, la hauteur. Exactement. Voilà, c'est ça. Beau. Après, je vais m'amuser avec ma purée de carottes. Voilà. Alors, rappelons-le au gingembre. Au gingembre, tout à fait. Évidemment, une très bonne association. Oui. Hein. Allez, et on y va. Donc, ça va m'aider aussi pour faire tenir mes chips de fenouil. D'accord. Et apporter ce petit goût de gingembre, il va très bien se marier avec le pigeon et le foie gras. Pas trop d'infos. On va mettre les petites tuiles. Hop. Ah, ça, c'est vraiment un produit magnifique. Hein. C'est vraiment très, très joli. Rappelons comment tu fais ces chips. Alors ces chips, c'est simple, je coupe mon fenouil à la trancheuse, très fin, oui. je les plaque bien et je les saupoudre de sucre glace, tout simplement, et c'est 12 heures au four, à 50 degrés. 12 heures à 50 degrés. Voilà, c'est très simple. Parfait. Mais c'est long, mais c'est bon. Allez. Hop. Voilà. Alors tu es seul en cuisine, au restaurant de Cham? Ah non, je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Non, donc il y a Alex et bien évidemment le pâtissier. Le pâtissier, oui. Et sinon, tu as un commis, tu as apprenti? J'ai Lloyd, un petit jeune qui n'est pas forcément du métier, mais c'est un garçon très très réactif. D'accord. Vraiment, qui est passionné d'apprendre. C'est un plaisir de travailler avec lui. J'ai la petite Fiona qui est aux entrées et qui est juste aussi une nana extraordinaire, quoi, qui percute vite. Qui aime son métier. Très bien. Voilà, ben, le prof de la jeunesse, ils sont foufou, ils y vont. Et puis pour un chef rock'n'roll, tout va bien alors. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça doit être un peu dynamique quand même dans la cuisine. Hein. Ouais, surtout que j'ai autorisé la musique. Ah, en plus. Pour la mise en place, pas d'accord. Pendant le service, donc des fois on se fait plaisir. En tout cas, ça se ressent dans l'assiette. Ouais. C'est ça le principal. Allez, on y va, donc ce caviar. Le petit caviar au basilic. Vous prenez votre fenouil, vous le centrifugez. Et dedans, vous faites infuser, comme pour le beurre de figue, vous faites infuser du basilic, vraiment. Vous prenez de l'agar-agar, ça vous le trouvez partout. Voilà, les proportions sont simples. 250 g de jus de fenouil au basilic pour 2 g d'agar-agar. Vous mélangez à ébullition et vous versez dans une huile très froide. Dans de l'huile très froide? Dans de l'huile très froide. De l'huile de quoi? Alors, plutôt de l'huile qui n'a pas de goût, c'est-à-dire de l'huile de pépins de raisin, ou voilà, ces choses-là. D'accord. Et ça ferme des petites billes, quoi. Et c'est très simple à faire, ça fait son effet, c'est bon, ça apporte du peps.
Ouais. C'est vrai qu'on retrouve une multitude de textures, oui, de produits dans ton plat. Il reste les petites cerises et la polenta qui finit dans le four. Donc là, hop, histoire de rappeler. Voilà. C'est très bien comme ça. Très bien. Et la polenta que je vais chercher au four. Très bien. Allez. Polenta au foie gras. Évidemment. Une bonne bouchée. C'est allez. Bien. Allez, c'est parti. Voilà. Un peu de matière à manger. Ton plat est terminé. J'ai oublié la pomme de terre. La violine. La violine, parce que c'est un produit que j'aime beaucoup quand même. Allez, je la coupe comme ça aujourd'hui et je la pose. Voilà. Ouais, comme ça on va piocher comme ça dans ton assiette. Et bien sûr, pour terminer, le sel pyramidal de Chypre. N'est-ce pas ? On pose un brin, c'est largement suffisant, sur le pigeon, sur les pommes de terre et un petit peu sur la polenta. Merci. Voilà, bah, je pense qu'on peut applaudir le chef, hein, nos amis qui sont venus. Voilà. Bon, donc j'allais lui demander quoi accompagne-t-on cela, mais c'est plutôt ton travail d'ailleurs dans ton établissement. Ben là, ça va être assez original. On va pousser un peu le bouchon un peu plus loin que la sommellerie pure. Oui. On va aller chercher une association sur le vin, évidemment, un petit vin local, et sur un thé. Un du thé quoi, surprenant. Du thé. Ouais, tout à fait. Un D'accord. thé noir. Un thé noir. En Ardèche, boire du thé en mangeant. Absolument. Presque d'être en Angleterre. Ça pourrait, ça là pourrait. On va, l'Angleterre ça reste vraiment la culture du thé, oui. Voilà, on boit le thé avec un nuage de lait pareil en plus, oui. Des goûts particuliers quand même, oui. Et nous là on va aller chercher l'association au contraire sur l'astringence du vin, sur son côté épicé, sa puissance, oui. Et on va retrouver cette astringence, cette amertume, de la finesse mais aussi de la puissance du corps dans le thé, donc l'association met en tout cas vin et thé presque indissociable sur cette assiette. D'accord. Et associé du coup sur le jus cerise qui va être magnifique, cerise jus de pigeon, sur le filet de pigeon qui apporte ce côté un peu gibier, un peu puissant. Là c'est vraiment le vin qui va prendre toute sa splendeur, toute son ampleur. Mm-hmm. On joue sur la polenta au foie gras, là le gourmand va porter beaucoup aussi sur le thé. Mm-hmm. La cerise, c'est très très bien. Très bien. Et le côté confit aussi des cuisses, ça va donner à chaque fois qu'on va goûter le thé, le vin, des saveurs, des associations différentes, un équilibre différent sur l'assiette. Alors justement, ton association, comment tu la crées avec les critères que tu viens de donner, qu'as-tu choisi comme type de thé ? Alors il a fallu un thé puissant, alors on va bouleverser un peu les codes de on ne boit pas un thé devant la télé le soir ou sur sa terrasse, là c'est pas ça qu'on va chercher, on va pas aller chercher la finesse et le côté, on va aller chercher quand même le côté corsé et complexe du thé par un léger surdosage quand même, on va pas le surinfuser non plus puisqu'on est sur des temps d'infusion notamment pour celui-ci qui est entre 3 et 5 minutes. Donc on va respecter à peu près ça, on va devoir mettre une eau à ébullition à 90 degrés. Et pour la dégustation, il faut être au maximum à 60 degrés parce que l'idée ça va être de ne pas se brûler les papilles. Oui, surtout. Voilà, parce que ça va être associé avec ce qu'on mange. Donc l'idée d'accord. c'est d'avoir vraiment toutes ces papilles en oui. éveil. Et là je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de très original. Bon, et en vin alors En vin, c'est un chatu. Est-ce que je ramène tous les éléments ? Alors, ce vin que tu as choisi, que tu as sélectionné, alors, les vins du Mouton Noir. Les vins du Mouton Noir, c'est toute une histoire ce vin, c'est un grand coup de cœur que j'ai eu cet hiver d'un jeune homme donc, qui habite à Chassier, tout proche ou pas très loin d'ici en tout cas. Ouais. Qui... Magnifique commune, je dois l'avouer. Magnifique commune, allez, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc là, il met son premier millésime en bouteille, celui-ci qui est issu des vendanges 2014. D'accord. Donc on est sur un Chatus pur. Ouais. Chatus qui est quand même le cépage presque je dirais endémique de cette petite région ardéchoise, du coup absolument. Unique au monde. Hein. Bon. Oui. Il se trouve aussi que le monde c'est l'Ardèche, donc c'est on va pousser un peu plus loin les frontières aujourd'hui, mais ça reste la preuve, vraiment ouvert vers le Gard. C'est vrai, c'est vrai aujourd'hui. Absolument. C'est et là ce vin. C'est généreux l'Ardèche quand même. C'est vrai. Alors. Et là ce vin vraiment, on a un Chatus qui est assez original puisque la plupart du temps, on va chercher un côté très épuisé, puissant sur le chatu. Et là, il est allé chercher quelque chose sur des tanins un peu plus fondus, plus équilibrés, moins puissants, beaucoup plus gourmand en fait. Et là, on est sur un jeune vin. On est sur un vin assez jeune, c'est pour ça qu'on va le carafer. D'accord. Ça va lui faire beaucoup de bien, mais on garde une réelle complexité et
tout ce qui pourrait des fois faire d'un vin des défauts comme une astringence trop prononcée, de l'acidité, de la fraîcheur. Enfin, ben là, ça devient presque une qualité systématiquement. C'est vraiment un des plus beaux châtus que j'ai goûté dans cette région. En tout cas, on le retrouve à ta carte. On le retrouve à la carte. D'ailleurs, je voudrais, puisque dimanche nous nous sommes vus, hein, comme je disais, tu me faisais part une petite confidence, comme quoi tu avais été sélectionné. Raconte-nous un peu de. Alors c'est vrai. Il y a une petite semaine, une très bonne nouvelle. Je reçois un mail, un premier mail de Terre de Vin, qui est un petit peu le magazine référence des sommeliers et œnologues dans notre beau pays français. Et donc ce mail, je ne l'ai pas du tout pris au sérieux. C'était écrit sélectionné pour les 1000 plus belles cartes de vin françaises. Je l'ai mis à la poubelle, comme beaucoup de pubs que je mets à la poubelle sur ma boîte mail. Et j'ai reçu un coup de fil donc le surlendemain qui a prouvé finalement ce mail. Et un monsieur qui me disait qu'on avait été sélectionné. Donc dans les 1000 plus belles cartes de vin françaises aujourd'hui, sur la totalité des étoilés et des restaurants donc, qui ont été en tout cas jugés. Ils sont venus donc juger sans se présenter, bien entendu, il y a de ça à peu près 3 semaines. Et donc maintenant, il va y avoir le lauréat, la sélection des 1000 plus belles, des 100 pardon, plus belles cartes de vin. Donc, il n'y aura pas une première et un centième, ça sera les 100 plus belles cartes de vin. Ouais. Voilà. Et je suis très fier parce que autodidacte de ce beau produit, c'est seulement le goût. Et le goût de ce que Manu et son équipe proposent derrière, quand je vais le manger, je vais l'associer instinctivement, instantanément à un vin que moi j'ai à ma carte. Et voilà, ça se fait. Tu as une carte de combien, une cave de combien de verres de aujourd'hui, on a un petit peu moins d'une soixantaine de références en cave. Ce qui est déjà bien. Bien, mais qui n'est pas grand-chose par rapport à des restos ou des bars à vin qui en ont 500, 300, 400. Donc, c'est pour ça que j'ai eu du mal à prendre un peu cette récompense, entre guillemets, au sérieux. Et finalement, ce n'est pas par le nombre de vins, c'est par la pertinence du choix des vins. Évidemment. Et pourquoi, voilà, et c'est vrai qu'on a une très, très belle carte de vin aujourd'hui. L'idée, c'est de prendre un petit sachet de thé, tout simplement, parce que moi, sur un accord mets-thé en salle, je vais avoir une prestation la même, voire plus compliquée, complexe en tout cas, que le vin, puisqu'il y a une anticipation. Il y a une eau qui doit être à 90 degrés pour la plupart des thés ou infusions proposées, entre 80 et 90 degrés exactement. Il faut donc la monter à 90 degrés et la laisser redescendre à 55-60 degrés maximum pour que ce soit agréable et cohérent pour les personnes qui le dégustent. Donc, il y a une réelle anticipation sur un accord TMA, c'est vrai. Voilà, c'est une mise en place. Et voilà. Mais c'est très agréable de le faire puisque c'est original. Assez unique encore, je pense. Il y a peu de personnes qui se sont amusées à le proposer. Hop, donc voilà, on double un peu la dose. On n'hésite pas quand même parce qu'on va aller chercher justement ce côté puissant et complexe. Hop. Donc là, on est sur un thé, le Lotus Bleu, thé noir de Ceylan. Donc le thé noir va apporter justement ce côté un peu puissant. On est sur de la fleur de bleuet, on va jouer sur la fraise et la rhubarbe. Et c'est la fraise et la rhubarbe qui vont apporter l'acidité, l'astringence, vraiment qu'on va aller chercher sur l'association au pigeon et sur le vin aussi également. Et donc là, l'infusion va être de combien? De 3-5 minutes. 3-5 minutes. Alors voilà, il y a des thés infusion, c'est la moyenne. C'est la moyenne la plus générale, j'ai envie de dire. Mais on a des thés qui s'infusent aussi entre 5 et 8 minutes. Voilà, on va le prolonger. Et pour un thé, on peut l'infuser 4, 5, 6 fois. D'accord. Et là, à chaque fois, on va aller chercher des saveurs différentes, une complexité différente, des arômes différents. Souvent, de plus en plus quand même sur l'amertume et la puissance. Et moins fleuri, moins fruité. Et là, voilà, ça demande dépend de ce qu'on recherche. Travail entre la salle. C'est un travail et la là, cuisine est extrêmement précis entre l'envoi du plat, le thé à température infusée comme tu le souhaites et le vin, ça reste quelque chose d'extrêmement complexe. C'est un métier où tout se base sur la communication, mais tout, que ce soit même pour faire de la cuisine très simple, si on ne communique pas entre l'équipe cuisine, la salle, etc., surtout nous, entre voilà, effectivement la sommellerie, l'accord thé et vin, thé mets, c'est très compliqué, j'avoue. On va ajouter deux subtilités dans le thé. Une première, c'est un sucre candy. Pas sucrer son thé, c'est mieux. En tout cas, pour un accord comme ça, on ne va pas le sucrer. On va apporter un cristal de sucre candy qui va apporter de la complexité finalement, mais pas vraiment sucré. Et on va mettre une baie de poivre de Java aussi, qui va apporter
quelque chose d'assez surprenant, une très légère anesthésie sur la langue. On va le ressentir subtilement quand on goûtera tout à l'heure, vous verrez, vous comprendrez. Et ça va porter beaucoup aussi finalement. Alors le temps d'infusion est pas mal, voilà, maintenant on va pouvoir déguster cette belle assiette très probablement tous ensemble. Eh ben, très bien. En tout cas, on va remercier bien évidemment toute l'équipe de chez Matal de nous avoir accueillis aujourd'hui, comme chaque semaine d'ailleurs. Remercier bien évidemment Jo et Emmanuel et toute l'équipe, Guillaume Sartre à la réalisation, Sylvain à la photo et nos amis qui sont venus aujourd'hui derrière les caméras. On vous retrouve donc la semaine prochaine pour notre émission. C'était Toc Toc Toc. Qui est là? On va saluer la caméra et on va faire coucou, au revoir. Allez, hop, santé. Au revoir, à très vite. Bah, tiens, regarde, on va bye. Allez, trinquons. Chef. Voilà. Merci. Allez, ouais. Voici messieurs. Allez, santé. Santé. Allez, voilà. Et santé à vous. Santé à vous. Santé.